dans quelques instants que nous allons demander aux braves dames 5 jours pour aller doucement pour ne pas se blesser. Voilà, c'est juste un jeu. Alors, nous sommes à l'île pour le tout moment. Il y a un peu de temps. Voilà, nous allons donner le coup d'envoi. Le parrain, voilà, disons le représentant du parrain. Le parrain, c'est M. Daouda Semboro, directeur général de la BADF. Il est empêché, il est représenté par Grissa Konaté, qui est le secrétaire général du secteur structuré du MDR. Alors, à mon signal, nous allons compter de 3 à 0. À 0, vous devez avoir le couloir en haut. 3, 2, 1, 0.
No matter.
la première pour le moment, en tête de peloton, toute seule. Madame Aïcha Savo Asita, la tête de peloton, Sampo, d'accord. Madame Sampo, elle a laissé loin derrière elle les autres. Elle pédale dur dur. Observer l'arrivée, l'avant-dernier passage, la première qui passe, elle est suivie de loin, de très très loin. La suite du peloton qui vient, elle les a dépassés. Voilà, ses concurrentes directes. Une qui veut lâcher, mais elle bénéficie de l'encouragement des spectateurs, le peloton. Il y a toujours du monde derrière. Grand groupe d'ailleurs, le grand groupe est derrière. Il y a toujours du monde derrière. Elle part cette fois-ci pour son dernier tour et elle vient de dépasser la dernière de la course. Maintenant, tu as rendu à toi, tu as appelé à la fin de la suite du peloton. Dernier tour maintenant pour bien sûr
Dame Sanfo. Elle part pour son dernier tour. L'arrivée du grand groupe maintenant. L'arrivée du grand groupe maintenant. Tout essoufflé. Cinquième et sixième, je pense bien. Une qui est mal en point, c'est logique, après tant de course. La coureuse continue d'arriver toujours. Ce n'est pas fini. Il y a des gens qui restent toujours. Félicitations, ma soeur. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire cette distance. Une autre qui s'encourage elle-même. Même si elle est attendue par là. Elle a préféré se confondre à la masse. Chers abonnés de Timba News, c'est la clôture des activités du Maracana Badenya de Nouna. Et le terrain du secteur 4 de Nouna refuse du monde ce soir pour vivre les péripéties de cette clôture. C'était la course cycliste dame. Et tout à l'heure, ce sera la grande finale du Maracana Badenya.
Le promoteur, il s'agit d'un jeune leader, Cheikh Sidi Mohamed Djerma. Et l'édition présente, la 7e édition, est parrainée par le directeur général de la Banque Agricole du Faso, Daouda Saint-Mourou. Tout à l'heure, donc, je le disais, tout de suite pour la finale. Amis du sport, tout de suite pour la finale. Maracana. Juste après cette course cycliste, nous allons, comme on le disait tantôt, aller directement à la finale football. Nous avons donc de voir ces garçons mouillés de maillot. Nous allons écouter le discours du promoteur. Le promoteur viendra ici. Je dis juste deux mots très rapidement pour que nous puissions gagner en temps. Et juste après le promoteur, nous allons permettre au parrain, au représentant du parrain, de se prononcer avant donc le coup d'envoi. Et je sais que les garçons de ces deux équipes se connaissent déjà bien. Voilà, ce sont des camarades, ce sont des amis, ce sont des coéquipiers. Retenons que ici à Mouna, nous avons deux grandes équipes, à savoir le Rival Club de Mouna et le Moumandou Sport. Deux équipes rivales qui courent toujours vers la montée en 2-2. Voilà, cette bonne guerre